Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez vu déjà? On a vu des moutons. Des moutons? On a vu aussi des serpents qui sont dans l'eau. On a vu leur reflet. Oui. Et on a vu une guêpe. Une guêpe? On a vu un crapaud qui faisait des œufs. Ah oui, 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 tu l'as vu ça? On a vu un cerf en train de rebrer. Ouais, de brer. On a vu un oiseau dans l'automne. Pas dans l'automne. On a vu des papillons aussi. Mais qu'est-ce qui vous a plu le plus? L'oiseau dans l'automne. L'oiseau pas dans l'automne. Le serpent avec les yeux bleus. Ben, t'es pas le seul à aimer ça. Moi, j'ai aimé la rose. La rose de fée. Alors, la rose, c'est la dame qui est dans cette exposition qui l'a faite. Tu vas pouvoir lui demander comment elle a fait. Et aussi la souris qui fait la prière. Ah ouais, elle est chouette la souris. moi, j'ai aimé l'oiseau de l'automne. L'oiseau d'automne, tu as aimé toi. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé toi? Yacine, dis-moi. Le crapaud qui faisait des œufs. Ah, le crapaud qui fait des œufs, oui, c'est bien. Alors. Le serpent avec les yeux bleus. Oui. Question d'entrée. Le serpent qui faisait les yeux bleus. Le serpent aussi, toi. Bon, vous aimez tous les serpents, quoi. Non, moi, j'aime pas, c'est le lion. Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne... Ce que je n'ai pas aimé, c'est les araignées. Les araignées, t'aimes pas ça. Pourtant, elles piquent pas, celle-là. Moi, j'aime pas les araignées. Et moi, j'ai pas aimé la guêpe. T'as pas aimé la guêpe? Eh bien, moi, j'ai aimé aussi le serpent qui hypnotise. Ah, oui. Le serpent avec les yeux bleus. Bon, c'est bien. Moi, mais les enfants, baladez-vous bien. Bonne visite. Salut. Salut. Salut, salut, salut. Au revoir. Au revoir. Et donc il n'y avait plus, et en plus les photos c'est bien de les faire soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Alors jeunes gens, qu'est-ce que vous avez aimé jusque-là de ce que vous avez vu? C'est fait de paramoteurs. Paramoteur, vous savez ce que c'est qu'un paramoteur? C'est comme un parapente. Vous voyez? Avec un moteur dans le dos. Et donc, c'est donc un monsieur qui vole, d'accord? Qui vole comme ça, avec ça. Il peut monter dans le ciel et il fait des photos qui sont donc en hauteur, mais moins haut qu'un hélicoptère. Et là, c'était au bord de la mer, avec l'eau qui se retire du sable. Moi j'en ai deux en tous les cas, mais après moi j'en ai un. Alors le but en fait c'est qu'ils mettent en image. Ça c'est vous? D'accord. Voilà, donc ça c'est le point de départ, c'est-à-dire que le titre. C'est vous? C'est vous? Est-ce que c'est vous ça? Donc, on va. Ça c'est moi, ouais. On va. Donc c'est pour ça que je leur présente. Ça c'est un génie qui s'en vous êtes. L'œil. Ça c'est mon blanc. Et le but à la fin avec les familles, pour les enfants, c'est que. Oh, il est trop mignon! Mais on l'a déjà vu! Leur origine. Non, le truc. Eh, regarde. Eh, le petit, il fait trop cagé. Il touche qu'après sur une photo, ça va être compliqué. Alors les enfants, qu'est-ce qui vous plaît ici? Si vous aviez à choisir une seule photo là, qu'est-ce que vous choisissez là? Moi je choisirais le guépard avec, avec son bébé là-bas. Quand il le tient. Quand il le tient par. Et pourquoi tu choisis celle-là? Parce que c'est trop mignon. Moi ici. Toi aussi? Ouais. Moi je choisis. Montre-moi laquelle tu choisis. La photo. Fais voir, montre-moi. Ouais, alors attends, tu vas me dire pourquoi tu choisis celle-ci. Alors toi, tu choisis celle-ci, celle-ci, pourquoi? Elle est avec sa mère, elle est avec sa mère. Ouais. Et j'aime aussi le lion, parce qu'il fait tout le temps la loi. Il fait la loi. Ah, lui, il fait la loi, alors c'est ça qui te plaît? Qu'il fasse la loi tout le temps. Ah, d'accord, d'accord. Toi aussi, et ça te plaît, le lion? Moi, j'ai. Et deux, moi, deux, moi j'ai reçu le serpent qui est en train d'étrangler un quoi? Qu'est-ce qu'il étrangle? Il est en train d'étrangler un cerf et il le mangeait.
T'aimes ça, toi, les serpents, hein? Oui. D'accord. Bon, tout ça, c'est sympa, là. Moi, j'aime. Toi, tu aimes quoi? Celui-là? Alors, raconte-moi pourquoi tu aimes celle-là. Parce que... Elle est trop Hein? Il a accroché un arbre. Ah, chut, chut. Il a accroché un arbre. Oui. Aussi qu'il a... Il s'accroche avec ses griffes. Voilà, c'est ça qui te plaît, parce qu'il fait de l'acrobatie. C'est bien.